Jean-Pierre Bacri, sa compagne Alexandra et son ex-femme Jérôme unis face à la maladie de l'acteur. C'est un acteur comme il en existe peu. Jean-Pierre Bacri était de ceux que l'on affectionne tout particulièrement. Sur nos écrans, il a été celui qui nous a fait rire autant que pleurer. Il maniait à la perfection les différents rôles qui lui étaient attribués. C'était d'ailleurs souvent le personnage du râleur. Malheureusement, le 18 janvier 2021, le monde du cinéma perdait cet illustre acteur âgé de 69 ans. Jean-Pierre Bacri était atteint d'un cancer et luttait depuis quelque temps déjà contre la maladie. Dimanche 20 novembre 2022, TF1 diffusera un de ses films dans lequel Jean-Pierre Bacri joue une fois de plus l'anti-héros. À 21h10, les téléspectateurs pourront se plonger devant le sens de la fête, aux côtés du défunt comédien. Ils retrouveront Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche ou encore Judith Chanla. Cette diffusion est l'occasion de revenir sur la relation qu'entretenait la compagne de Jean-Pierre Bacri et son ex-épouse, Agnès Jaoui, durant les derniers moments de sa vie. Avec l'actrice, il avait eu une histoire d'amour passionnée et avait déclaré en 2018 à Gala, « Agnès, c'est la grande histoire de ma vie et je pense que c'est réciproque. On s'aime. C'est mon âme sœur. Nous ne sommes plus ensemble. » C'est alors qu'il a rencontré Alexandra, sa dernière compagne, qui travaille aussi dans le monde du cinéma. Elle n'est pas une femme d'image et prête sa voix pour du doublage ou du documentaire, explique Valérie Benaïm dans son livre « Le bougon gentilhomme ». Dans ses pages, la journaliste raconte également la solidarité entre les deux femmes lorsque Jean-Pierre Bacri a appris qu'il était de nouveau malade. Ensemble, Alexandra et Agnès se sont merveilleusement occupées de Jean-Pierre, explique Valérie Benaïm. Les deux femmes de sa vie se sont ainsi unies, pour donner plus de force à l'acteur dans cette étape de sa vie. Une belle leçon d'amour et d'amitié.